Saviez-vous que, dans Pokémon Ruby Sapphire Emerald, durant le tutoriel de capture de Pokémon, Timmy a de très faibles chances de tuer son Tarsal, exactement une chance sur 8574. Cookie Pearl possède la plus forte attaque spéciale du jeu, avec une attaque spéciale max et 31 IV, si Cookie Pearl tient la dent Océan, son attaque spéciale est doublée. De 271, ses stats passent alors à 572, alors que Mewtwo Y a 535 de max attaque spéciale. Le Pokémon Azuril a de petites chances de changer de sexe en évoluant. Il n'y a aucun Spinda identique. Environ 4 milliards de motifs ont été créés pour que chaque Spinda soit différent. Ils ont vraiment rien à faire chez Game Freak. Dans l'anime, malgré les apparences, aucun Ramolos n'a réussi à effectuer une attaque. Pokémon possède le Guinness World Record pour le plus de crises d'épilepsie générées au même moment, à cause de l'épisode où Porygon enferme nos héros dans un monde virtuel. Environ 700 crises d'épilepsie au même moment. D'ailleurs, dans les versions américaines et européennes de la première génération, l'attaque Tonnerre a été censurée pour les mêmes raisons. Toxic ne peut pas échouer si la capacité est utilisée par un Pokémon de type poison, même si l'adversaire est sous la terre ou dans les airs. Il faut pour l'éviter utiliser des capacités comme Abri ou Détection. Il a fallu 3 ans et demi pour créer les versions Or et Argent, qui n'ont été programmées que par 4 programmeurs. Ces jeux devaient être les derniers de la franchise, mais le succès commercial de Pokémon a poussé Game Freak à continuer. Mais ça, vous le saviez déjà, non ?